à fait possible, mais on vous dit mais non, c'est impossible. Ça veut dire qu'en fait on ne veut pas. On va essayer de réfléchir à l'école idéale. L'école de vos rêves. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'école pour qu'elle soit l'école de vos rêves? Honoré nous dit une école avec un McDo, un Burger King et un parc aquatique. Oh là là! Attends, faut que j'imagine. Bouge pas, Honoré, bouge pas. Donc l'école, il y a un McDo à la place de la cantine. Donc qu'est-ce que ça donne de plus? Des hamburgers, des nuggets, des frites, du ketchup, des Mac machin, ou du burger machin. En fait, tu veux manger du pain et de la viande tous les jours, c'est ça que tu veux. Donc tu veux toujours le même genre de repas, parce que, excuse-moi, entre un Big Mac et un double cheese, il n'y a pas beaucoup de différence, il y a beaucoup moins de différence que entre une pizza et un couscous, d'accord? C'est quand même pas pareil. Ou entre un riz de veau, je sais pas si tu vois ce que c'est, et du poisson. Il y a vraiment de différence. Toi, tu veux vraiment qu'il n'y ait pas de différence. Tu veux qu'on mange toujours des hamburgers et des frites. Des frites, encore des frites. Lundi des frites, mardi des frites, mercredi des frites, jeudi peut-être une petite salade, mais avec des frites, et puis voilà. Est-ce que tu imagines que ce serait un paradis, une école qui à la cantine aurait un McDo? Ou est-ce que ça ne deviendrait pas un enfer? C'est-à-dire quelque chose où au bout de six mois, tous les jours de McDo, tu serais comme ça. Oh, encore un hamburger. Bon, bah on y va. Jérémy dit faire la cuisine à l'école. Ça, c'est un beau rêve, Jérémy. Parce qu'en fait, la cuisine, plus tard, tu seras obligé de faire la cuisine. C'est quelque chose, tu es sûr que tu seras obligé. Il y a des mathématiques, des fois, tu n'es pas obligé plus tard de faire des mathématiques. Hein. Il y a plein de métiers, peut-être que vos parents ne font jamais de mathématiques, hein, à moins qu'ils soient scientifiques. Donc, il y a plein de choses qu'on apprend, c'est juste pour s'entraîner l'esprit, hein, c'est juste pour comprendre un peu. Mais ce n'est pas utile tous les jours. La cuisine, c'est utile pour tous les jours. Si tu apprends la cuisine, tu apprends la chimie, parce que la cuisine, c'est comme la chimie. Un peu de ça, on fait chauffer, c'est de la chimie. Si tu apprends la cuisine, tu apprends l'histoire, parce qu'il y a l'histoire des plats. Hein, d'où vient ce plat, de quelle culture il est, t'apprends même la géographie avec la cuisine. Si t'apprends la cuisine, t'apprends le goût, t'apprends à sentir les goûts différents et pas simplement le sucré. Hein, parce qu'au McDo, t'as qu'un seul goût, c'est sucré. La viande, elle est sucrée, le pain, il est sucré, c'est sucré. Les frites, elles sont sucrées, tout est sucré, le ketchup, il est sucré. C'est pas ça, la diversité des goûts. C'est pas ça, cultiver des voyages avec les papilles, avec ce qui est sous la langue, c'est là, qui sentent les différents goûts. Le brocoli a un goût spécial, c'est intéressant d'y goûter. Au début, on n'aime pas, puis après, on aime. Donc, ça, c'est la richesse des goûts. Au McDo, c'est sucré, tout est sucré. C'est sympa parce qu'il y a des petits jouets pour attirer les petits-enfants, comme les sorciers dans les contes de fées. Venez, les petits-enfants, on s'en fiche que vous allez manger du sucre, et puis du sucre, et puis du sucre, et puis du sucre, et des frites sucrées, du ketchup sucré, et puis de la viande sucrée. Mais vous avez le petit jouet. Vous êtes comme des petites abeilles, hein? Bzz, bzz, bzz. Oh! Un cadeau McDo. Le truc qui vaut même pas 1€ que votre parent peut vous acheter à Auchan ou je sais pas où. Et vous vous faites avoir comme des petites abeilles. Voilà. Ça s'appelle la naïveté de l'enfant. Ça s'appelle la bêtise. Hein. Et on est là pour essayer d'arrêter d'être bête. Donc, me ressortez pas le coup du McDo à la cantine. Parce qu'au bout du 10e hamburger à la viande sucrée, vous allez vomir. Vous voulez pas vomir quand même les enfants. D'accord? Donc, il faut diversifier vos goûts. Il faut éduquer vos papilles. Il faut éduquer votre bouche et votre bidon pour apprendre des horizons différents et voyager à travers les plats. La purée, je voyage. Le brocoli, je voyage. Les endives, je voyage. La sauce soja, je voyage. Le steak haché, je voyage. Pouvoir choisir son prof. Ah, oh, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que tu commences au début de l'année, t'as tous les profs qui sont comme ça, qui peut-être parlent un peu parce qu'on va pas les choisir sur leur physique, on s'en fiche de leur physique. Ils peuvent être très gros et très sympas, ils peuvent être très maigres et très méchants, ils peuvent être très gros et très méchants, ils peuvent être très maigres et très sympas, hein. Et puis ils peuvent être très vieux et très sympas, et puis très jeunes et très méchants, ou très jeunes et très méchants, et puis très vieux et très sympas. Non, j'ai déjà dit ça, enfin bon, voilà, vous avez compris, hein. Vous êtes tous dans la cour de récréation, les profs sont au milieu, vous les regardez, vous prenez des notes comme ça, avec tous les profs au milieu, ils ont des numéros à la place de leur nom, hein, un numéro autour du cou, prof numéro 1, prof numéro 2, prof numéro 3, et vous êtes là. Alors, vous c'est quoi? Moi je suis prof de français. Ah, tu es prof de français, d'accord. Tu peux nous dire comment tu veux faire cours? Alors moi je vais vous faire cours, je vais vous parler des vieux poèmes d'il y a 10 000 ans, et puis on va étudier vraiment les poèmes tout le temps, un seul poème toute l'année, ça va être formidable. Non, désolé, ça va pas le faire, moins 3 points. Et toi, moi je suis prof de mathématiques. Et alors, parle-nous des mathématiques? Ah, les mathématiques c'est génial, on va apprendre l'histoire des chiffres, ça va être une aventure, je vais vous embarquer, vous allez comprendre comment les chiffres, eh bien, ils sont dans l'univers, ils sont dans la nature, ça va être formidable, on va même apprendre de l'informatique, waouh, plus 4 points, toi. Dans nos rêves, il y a deux catégories de rêves. Il y a les rêves de l'école idéale,
qui sont impossibles, mais vraiment impossibles. C'est pas... Et puis, il y a les rêves qui sont possibles. Moi, je vous demande maintenant un rêve réaliste. C'est-à-dire un truc, si vous en parlez au directeur de l'école, si vous en parlez aux parents, ils peuvent très bien dire « Tu veux améliorer l'école en faisant ça ? Pourquoi pas ? On peut en parler. » Quand un adulte réfléchit comme ça et qui dit « Pourquoi pas ?», ça veut dire que c'est un rêve réaliste. Quand l'adulte fait « Mais n'importe quoi !», il se peut que ça soit un rêve réaliste, mais que l'adulte n'a pas envie de bouger ses grosses fesses pour le réaliser. C'est possible aussi. Les adultes, des fois, ils disent que c'est impossible, alors qu'en fait, c'est possible, mais ils ne veulent pas. Et en fait, ils mentent, parce qu'en fait, ce qu'ils devraient dire, c'est « Je ne veux pas », et non pas « C'est impossible ». Vous voyez la nuance ou pas ? Quand vous proposez des choses et qu'elles sont réalistes, qu'elles sont réalisables, que vraiment il suffit de se retrousser les manches et d'y aller et de le faire, eh bien, ce n'est pas impossible. C'est possible, mais après, il y a la volonté. Et c'est vrai que quand on est enfant, parfois, il faut, souvent d'ailleurs même, il faut écouter la volonté des grands. Voilà, c'est embêtant. Hein. Mais on peut quand même agir sur leur volonté. Quand un adulte dit c'est impossible, mais qu'en fait, c'est parce qu'il ne veut pas. Quel est votre moyen pour essayer que ça soit possible alors qu'un adulte vous a dit que c'est impossible ? À notre école, on a proposé, dit Mawel, à plusieurs de repeindre des cages de but et le directeur réfléchit si c'est possible. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, vous avez un rêve d'amélioration. On peut améliorer le monde si on repeint les cages de foot. Donc ça, c'est super. Vous avez demandé au directeur et le directeur, il est comme ça. On va voir si c'est possible. Ça prouve que parfois, l'adulte, il ne sait pas si c'est possible. En fait, il faut expliquer à l'adulte pourquoi c'est possible. Comme ça, ça l'évite de réfléchir. Les adultes, des fois, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Il faut que vous ayez le plan de réalisation de votre idéal. Ce qu'il faut faire, c'est argumenter. Argumenter. Vous savez ce que ça veut dire ? Donner des preuves. Bravo, Mila. Donner des preuves. Parce que, évidemment, l'autre, il va contre-argumenter. C'est-à-dire que vous, votre but, c'est de repeindre la cage de foot en bleu. L'autre, il va aussi sortir des arguments pour être contraire avec vous. Il va pas être d'accord. C'est comme un bras de fer. C'est comme une bataille. Hein. Donc l'argument, c'est des armes que vous avez pour imposer votre rêve. Lui montrer que c'est possible, lui montrer qu'il doit le faire. Monsieur, si vous ne repeignez pas la cage de foot en bleu, votre école va perdre de la beauté. C'est-à-dire que tout le monde dira « Mais c'est quoi cette cour de récréation avec ces sales poteaux tous jaunes, gris, marrons, c'est n'importe quoi. Vous allez perdre de la notoriété, vous aurez moins d'élèves. Les élèves seront malheureux. Et des élèves malheureux dans la cour de récréation, quand ils vont en cours et qu'ils ont joué au foot avec des poteaux tout dégueulasses, eh bien ils sont énervés. Ah, t'as vu, les poteaux, ils étaient vraiment dégueulasses. Ah ouais, pourtant j'ai gagné, ouais, t'as gagné au foot, ouais, d'accord, mais t'as vu, les poteaux, ils sont dégueulasses, c'est pas vraiment une victoire. Bah comment ça, c'est pas une victoire, j'ai mis 2-1. Ouais, t'as mis 2-1, mais imagine si t'avais eu des poteaux en bleu. Ton 2-1, il aurait été magique. Ah ouais, c'est vrai, y en a marre. On veut des poteaux en bleu. Un philosophe, c'est quelqu'un qui ne boude jamais. Et pourquoi il boude jamais ? Parce que quand il a des rêves, il essaie d'argumenter et de dire à tout le monde « Venez avec moi, c'est possible, c'est réalisable et ça sera meilleur pour l'avenir. » Et vous pouvez très bien, les enfants, grâce à l'argumentation, changer la vie d'un adulte. Et vous allez voir que si vraiment l'adulte ne veut vraiment pas, il dira « Non pas c'est impossible, mais je ne veux pas. Hein » Et si vous dites « Pourquoi tu veux pas ?» et qu'il n'a plus d'arguments, vous savez ce qu'il va faire l'adulte ? Il va bouder. On s'en fiche de jouer des jouets McDo. Ouais, des rannes, on s'en fiche des jouets McDo. On n'est pas des neuneux. Hein. On va au restaurant pour manger, pas pour jouer avec des jouets débilissimes. Made in China, construits à l'autre bout de la planète par des enfants esclaves. On n'en veut pas. On veut plus de jouets McDo. On veut manger dans un restaurant. On veut pas jouer. Si on veut jouer, on va dans la cour de récréation. On va dans notre coffre à jouets. On veut pas jouer. Arrêtez de mélanger les choses et de nous prendre pour des idiots. Ça s'appelle la révolution, les enfants. On en parlera plus tard.